Je commence à me dire que je crois que la vidéo va s'arrêter ici. Hey, comment ça va la team? Comment vous allez? Attendez, je viens d'avoir une petite idée. Ting. Ouais, je suis assez fier de ma petite lumière. Voilà, je voulais absolument l'introduire dans l'intro, donc voilà, j'ai une petite lumière. Bref. Comme vous savez, je suis très très bricoleur. Et je suis très très fort, vu que j'ai mon bac pro menuiserie. La preuve en image. LOL. Bref, non, sérieusement, comme vous savez, j'ai mon bac pro menuiserie, donc ça veut dire que je sais un peu manier quelques outils, tout ça. Je me démerde, on va dire. Aujourd'hui, j'ai fabriqué une rampe de skate. Alors, je sais pas si elle va être grande ou pas, je sais pas. On verra ce que j'ai par rapport au matos que je peux prendre, tout simplement. On verra par rapport à mon état. En tout cas, j'ai 24 heures pour pouvoir la construire. Croyez-moi, vous avez l'impression que c'est simple, mais le plus dur d'une rampe, c'est d'arriver à monter dessus sans qu'elle bouge de tous les sens. Mais j'en ai fabriqué au moins une dizaine dans ma vie, et à chaque fois, c'était de la merde, ça marchait pas. Voilà. Donc voilà, bref, c'est parti, place à la vidéo. Ok, donc là j'ai les outils. Quoi? Tu me cherches? La journée commence et j'en ai déjà marre. En fait, je vous explique, depuis tout petit, vous savez, je suis passionné, c'est pour ça que j'ai fait un bac pour menuiserie, parce que j'adore fabriquer, j'adore créer des choses en bois et tout. Malheureusement, à chaque fois que je voulais créer quelque chose, dans ma tête, c'était quelque chose comme ça. Voilà, un truc parfait, je me suis dit, bah vas-y, je vais le faire, c'est carré. Au final, ça ressemble à ça. Donc j'ai vite abandonné les idées de créer des choses. Mais aujourd'hui, j'essaie de vraiment, j'ai pris du recul, hein. J'ai attendu, ça fait longtemps que j'avais pas fait quelque chose. Je me suis dit, bah écoute, essaye aujourd'hui, c'est le moment pour essayer. Et voilà quoi, c'est carré, on va essayer, on verra bien. Ok, alors tout d'abord, on va déterminer un peu ce qu'on veut faire. Donc je vais faire un petit croquis. En soirée sur une chaîne tuto de menuiserie. S'il vous plaît, ne me prenez à aucun moment au sérieux, s'il vous plaît. Vu que j'ai une grande planche, j'hésite entre soit créer une rampe, genre une grande rampe, une seule, mais juste le monter, ou alors si je me sens capable de créer une rampe qui fait ça. Mais là, il y aura du taf. Du coup, je réfléchis à comment je peux procéder. Je réfléchis là. J'arrive pas à réfléchir. Bon, déjà, je pense que ma rampe va être comme ça. En fait, le problème des rampes, l'erreur à faire, c'est à chaque fois, moi je le fais, c'est que je les fais trop inclinées. Donc là, je sais qu'il faudra que je la fasse longue. Voilà, et pas trop inclinée. Un truc comme ça, en gros. Il faudrait que je crée un truc comme ça, voilà. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Donc voilà mon petit tracé. Comme je vous l'ai dit, pour que ce soit long, on va essayer de faire quelque chose de long. Donc voilà la planche que j'ai actuellement. Ok. Donc je pense, d'après mes statistiques analéotiques cryptopathiques, que la rampe doit faire x fois 2. Donc si x est égal 2, donc si x égale 2 égale 53,53 1m0004,3. Ok. Comme ça, ça a l'air carré là. Ah. Voilà, je pourrais pas faire mieux, je pense. Bon bah go changer de lame hein. Celle-là elle coupe pas, elle coupe rien. Tout commence très bien. Super. Bien fermé. Nous avons la première partie. Oh. Ok, je recoupe une deuxième partie comme ça. Et peut-être une troisième si... Ah mais peut-être que là je peux gratiller de la place. Mais oui. Et là je vais tracer la deuxième partie. C'est parti. Attention mesdames, messieurs, devant vos yeux ébahis. Ensuite là ici vous devez impérativement dessiner quelque chose, un calcul très important. Bon, on va débâcher, comme dirait Solid Mike. Dédicace à Joe et à Bastos. Hein, dédicace à vous les gars. Le fil, il m'a cassé les couilles. Une planche de surf. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et de deux. C'est pas Robinson Crusoe, c'est pas... Ah non, la caméra elle est là. Elle est là, ok, d'accord. Attends, je vais la prendre parce que là t'as du mal. Bon, tu penses que c'est quoi ça? Bon là c'est mal mis parce que ça tient pas debout, mais... Ah ça peux... y est, je sais ce que tu vas faire. C'est quoi? Attends, alors... y a... qu'est-ce qu'il y a de compliqué à voir ça avec ça, genre... Si. Moi je pense que ça, tu vas te poser là-dessus. Non, c'est des conneries encore. Tiens, mais c'est pour faire du skate. Bah oui, bravo. C'est ce que j'ai dit, bah oui. C'est une porte pour décoller avec le skate et en l'air. Ouais, mais ça, tu vois bien que ça, c'est pas, ça va pas. Non, mais ça, cette partie-là, tu vas la mettre là. Non, c'est son skate. Mais on peut pas la plier, c'est mon skate, ça, maman. T'as pas de... Hein? C'est mon skate, ça. Ça, c'est ton skate? Oui. Tu vas fabriquer un énorme skate? Maman, arrête de croire à tout, s'il te plaît. Ça ah, j'ai cru en plus. Ah. Bon, alors à quoi ça sert, votre truc là? Mais c'est un tremplin, parce que là, il est mal mis. Voilà, c'est un tremplin. Il sera comme ça. J'ai peur de faire un truc que je vais pas aimer à la fin. J'espère que je vais aimer, parce qu'à chaque fois, je suis déçu. Quand je réalise un truc comme ça, je me dis putain, mais c'est trop bien et tout. J'ai le croquis dans ma tête, je fais un truc de dingue. Au final, quand il est réalisé, je me dis donc toute cette journée,
tout ce sacrifice pour aussi peu. J'espère que ça va bien se passer en tout cas. Fais genre que t'es pro, vas-y, vas-y. Génial, c'est super pour les terres douceurs. On t'a pas payé un bac pro musée pour rien, mon chéri. T'as vu ça? Ok, ma vie est géniale, elle veut plus marcher. Regarde, je coupe, maman, regarde. It's a prank. Putain, je sais pas, elle veut pas marcher, maman. Mais t'as toi, mais les cons, ce gamin. Arrête, Anthony, tes conneries. Anthony, arrête tes conneries. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, fais ton cinéma pour la caméra, il fait semblant. Non, non, tu pourras pas. Tiens, je la garde. Non, je veux la garder, Anthony. T'as de poussière, c'est mon petit objectif. Oh, du chocolat. Non, tu filmes, c'est que tu vas faire un truc pour t'animer. Non, non, pas. Voilà, seule vidéo, t'as vu, seule fois que vous allez avoir sur la chaîne où je vais rien lui faire. Hé, hey, Anthony. Et ça, c'est mon père qui l'a fait. Regardez comment ça marche beau. C'est une fontaine que j'ai chez moi, je vous montrerai tout à l'heure. Fini, si j'oublie pas. Bon, voilà, j'avais oublié de vous filmer. Celle-ci, c'est celle de chez moi. Elle est grave belle. Et celle-là, c'est celle qui est terminée. Ouais, je précise, c'est de l'eau. Allez, c'est parti, on reprend la vidéo. Pour ceux qui me demandent des commentaires, je filme avec un Sony A7 III. Objectif, c'est un 35 mm ouverture 2. Et avec un micro Rode, le moins cher de chez Rode, celui à 40€, il est trop bien. Bon, ça là, ça commence à être compliqué. Je vais pas vous mentir que là, je commence à désespérer. Je commence à me dire que je crois que la vidéo va s'arrêter ici. Il y a un gros souci que, en fait, naturellement, j'aurais dû me poser la question avant d'avoir commencé à créer ça. Qu'est-ce qui est le plus important sur une rampe de skate? Vous allez comprendre, c'est très simple. C'est bien les structures sur le côté, mais c'est quoi le plus important? C'est le milieu sur quoi je vais rouler. Et il y a des trucs en ferraille dans le dépôt. Enfin, dans le dépôt, il y a plein de trucs, mais je peux pas prendre parce que là, c'est pour l'entreprise, ça coûte cher. C'est des plaques en ferraille. A few moments later. Hey, ça fait longtemps vous. Bon, entre temps, il s'est passé quelque chose de cool. Mon père a appelé mon oncle et du coup, il m'a laissé prendre une plaque de fer. C'est carré ou pas? Donc si tu passes par là, merci tonton et merci papa aussi de m'avoir aidé parce que d'avoir aidé à prendre cette plaque de fer, ça m'a sauvé cette vidéo. Voilà. Bref. Bon, voilà la grosse plaque de fer. Franchement, elle est énervée. Ça va être parfait pour ma rampe, ça. Par contre, je viens de me rendre compte que ma rampe est vraiment ridicule. Elle est vraiment toute petite en fait. Super espoir. Il faut garder espoir. Bon allez, c'est parti, on va essayer de commencer à installer tout ça. Et puis bah après voilà, c'est carré quoi. Je vais vous montrer un peu les installations qu'on va faire. Cette vidéo est très compliquée. Vraiment, je préfère faire des 1000 saltos arrière que ça parce que là ça demande trop de... ça me stresse. Parce que du coup ça coûte quand même cher, donc j'ai pas envie de le foutre en l'air et faire un truc de merde. Si je fais un truc de merde, la vidéo ne sortira pas. Moi je serai pas content parce que j'aurais passé ma journée à faire un truc non productif. Il y aura pas de vidéo, je vais pas m'amuser. Allez vas-y, c'est quoi, on se prend pas la tête, on réfléchit pas et on construit cette merde. Parce que oui, comme vous savez, je pourrais vous faire une vidéo dans mon studio en train de vous parler, je sais pas, en ce moment du confinement, genre regarder un peu les gens ce qu'ils font pendant le confinement, mais j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai vraiment envie de vous sortir du contenu de qualité et des trucs où je me fais chier, tu vois. J'ai pas envie de sortir des vidéos comme avant, j'avoue. Avant je choisissais un peu la facilité et là maintenant j'ai envie de faire vraiment des vidéos qui sont compliquées à faire et à monter. Surtout, donc en tout cas j'espère que vous aimez les nouvelles vidéos où je me fais beaucoup plus chier, voilà. Ok, donc ça en gros ça va être l'épaisseur de mon tremplin. Je vous vois déjà derrière votre écran en train de vous dire attends, tu vas passer ta journée à faire un truc aussi petit que ça. Eh, c'est pas stylé ça, Yannick. Toi tu mets un masque mais tu recouvres ni la bouche ni le nez. Je sais qu'ils mettent le casque en moto mais... Ah le bâtard, ça taille les motards. Moi je dis ça, j'ai rien, j'y sais prod. Eh hey, désolé, je vous divertis même plus là, je suis tellement motivé là, je suis à fond. Qui m'appelle Bricot Robert 01? Allô? Oui, bonjour Anthony. Oui. Ah oui, ah, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. J'ai eu peur, j'ai failli l'embrouiller en plus. C'est bien, c'est que ça fait pas trop de bruit ce que je fais. Non, ça va. Ça va? C'est agréable? Il manque plus qu'à assembler le troisième, j'en ai marre. Honnêtement, c'est long et chiant. J'espère juste que le résultat va être bien parce que sinon, il faudra acheter le petit rail ici, bien sûr. Ici, je vais mettre un petit rail pour pouvoir faire des 50-50. Si déjà j'arrive à monter dessus et descendre avec le skate, c'est génial. Bon, du coup, n'oubliez pas de me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc, proposez-moi en commentaire ce que vous voulez que je fasse ou dites-moi directement, Anthony, arrête de construire. Ok. Donc, au final, regardez. J'ai réussi à poser le rail. Voilà. Bon, malheureusement, le rail, j'ai fait avec ce que j'avais. Le plus long que j'avais, c'était celui-là. Donc voilà, j'ai dû faire un petit trou là pour faire passer le rail. Bon, là, je montre pas les petits rafistolages que j'ai dû faire. Ouais, c'est vraiment ce qui sert de rail. De pouvoir se positionner comme ça. C'est vraiment, genre, c'est super important. Ah ah.
Je vous mens pas, ça serait à refaire là. Je l'aurais pas fait. Enfin, on verra peut-être tout à l'heure quand je vais kiffer, quand je vais aller dessus. Mais là pour l'instant, ça commence vraiment à me gaver. Hein. Waouh, les constructions, je crois que c'est vraiment plus pour moi. On va rester sur les Yes Man Challenge, les petites conneries, c'est cool ça. Voilà, c'est parti, on va mettre cette merde. Voilà. Bah Bernard là, mon frère, il va aider pendant au moins une heure juste pour bien répartir ces trucs. Bon, ça va être effacé, vous le verrez pas. Mais j'ai un gros doute sur la ferraille, regardez comment ça glisse. A mon avis, je vais pas durer longtemps. Putain, je doute sur mon fils là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait comme merde? Oh là là. C'est terminé. Bah c'est nul. Manque de talent. Vous en pensez quoi dans les commentaires, mais personne n'aime ici. Bon, la propreté, j'en ai marre. Là, dans une demi-heure, il fait nuit. Je voulais juste vous la présenter. Vous voyez pas aussi les pièces cachées. Hein. Il y a quand même du taf là-dedans. Hein. Je suis quand même fier de ça. J'ai quand même passé beaucoup de temps. Ça marche, c'est ce qui compte. J'arrive, je peux monter dessus et redescendre dessus. Il y a aucun problème. Bon, après, tout ce qui est au niveau du curve et tout. Donc, le curve, c'est ce qui est en haut. Donc, dans ce que je dois grinder, donc monter dessus avec mes trucs. Si j'y vais, bah, je tente vraiment d'aller à l'hôpital. Je me prends le banc. Mais voilà, c'était cool. Et je vous l'ai dit, de toute façon, si vraiment vous aimez ça, je referai une vidéo avec mon daron après le confinement. Mais on en fera une énorme, genre vraiment un vrai U, un vrai truc, tu vois, ici chez moi. Bah écoutez, je décide de finir cette vidéo avec ces lunettes de soleil parce que j'en ai plein la tête, j'en ai marre. Et j'ai envie d'avoir un style dégueulasse. Et vraiment, parce que là, je suis saoulé, je suis blasé. Bon, bah écoutez, la team, n'oubliez pas surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et vous inquiétez pas, je vais refaire des grosses vidéos comme tout le temps maintenant. À partir de maintenant, je fais que des grosses vidéos qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Parce que ça me tient à cœur YouTube encore plus qu'avant. Bref, n'oubliez pas d'ici là, prenez soin de vous. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes